Zanmim yo, fwè Maksèm yo, pep kap prepare pou siel la. Kompatriot ayisyen nou yo, bonjour, bonsoir. Nou mwen se Keti Charles Desjoie, servante bon Dieu ya. Bienvenue sou chanel YouTube Fos Priye, kote nou priye, honore, glorifiye bon Dieu, e li la Bib nou chak jou, 3 chapitre par jour. Devise en chanel fausse prière, c'est prier, veiller, agir. Avant de commencer, nous pouvons baisser tête nous légèrement et fermer les yeux nous sensiblement pour un coup de prière. Papa, nous qui dans le ciel, nous remercions infiniment pour bonté, pour grâce infinie, pour miséricorde qui pas jamais fini. Alors que nous voulons commencer à force prière, nous demandons en bonté ou en grâce, autant prier, accompagne-nous par ton Saint-Esprit avec le pardon de nos péchés. C'est comme ça nous prions, dans le nom de Jésus. Amen. Chers amis, frères et sœurs, je dis à nous pour chanter le numéro 319 des hymnes et louanges, près de Jésus. Près de Jésus, je trouve un sûr asile. Et si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, en lui continuer avec événement des derniers jours. Le chapitre 7 intitulé Vivre à la campagne et sous-titre L'idéal divin. Pages 98 et 99, paragraphe 320 et 321. L'idéal divin. Bien que toute la création de Dieu fut dans un état de beauté parfaite et que rien ne sembla présenter le moindre défaut sur cette terre créée par Dieu pour le bonheur d'Adam et d'Ève. Cependant, il manifesta son grand amour pour eux en plantant un jardin spécialement à leur intention. Une partie de leur temps devait être employé avec bonheur à entretenir ce jardin et à une autre à recevoir la visite des anges qui les instruiraient et qu'ils écouteraient dans une bienheureuse méditation. Leur labeur n'était pas fatigant, mais agréable et vivifiant. Ce magnifique jardin devait être leur foyer, leur résidence spéciale. Quelles étaient les conditions choisies par le Père infini pour son Fils? Un foyer retiré dans les collines de la Galilée, une famille entretenue par un travail honnête et digne, une vie de simplicité, la lutte quotidienne contre les difficultés et les peines, le renoncement, l'économie, le service patient et joyeux, l'heure d'étude aux côtés de sa mère avec le rouleau ouvert des Écritures, la quiétude de l'aube ou du crépuscule dans la verte vallée, les saines occupations dans la nature, l'étude de la création et de la providence, et la communion de l'âme avec Dieu. Telles étaient les conditions et les avantages des premières années de la vie de Jésus. Chers amis, frères et sœurs, c'était événement des derniers jours. Merci. Chers amis, frères et sœurs, nous pourrons continuer avec le numéro 319. Près de Jésus, ô douceur infinie,
Je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Amen, 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 chers amis, frères et sœurs. Nous pourrons passer à la lecture de la Bible. Et je dis, hein, nous pourrons lire 1 Samuel, chapitre 23, 24 et 25, avec nos sœurs Elsie Baolette et Livoncia Louisius. Mais avant de faire ça, chers amis, nous allons baisser tête nous légèrement pour un coup de prière. Notre Père, qui est dans le ciel, nous baisser bien bas devant face bénie pour nous implorer assistance dans la force prière. Merci pour bonté, merci pour grâce, merci pour belle journée qui devant nous aujourd'hui. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour tout le monde nous mettez dans la vie nous. Et merci pour le travail que vous mettez pour nous faire l'éternel. Alors que nous pouvons ouvrir la Sainte Bible, nous demandons dans la bonté, dans la grâce infinie, tant pis. Venez aider nous comprendre, aider nous faire une bonne lecture. Et tout le monde qui a obtenu des fausses prières, nous demandons tant pis, Seigneur, faites-vous comprendre ça, appliant. Faites-vous ouais, Jésus, dans tout ça, appliant, pour ouais, commandement, Seigneur, pour ouais, vous-même, parce que parole, c'est vous-même, pour nous apprendre qu'on est, Seigneur. Aidez-nous avec nous, Seigneur, pardonnez péché, nous, Dieu des cieux. C'est comme ça, nous prions, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen, amen. Amen. 1 Samuel chapitre 23. Les habitants de Keïla, attaqués par les Philistins et délivrés par David. David poursuivi par Saül. On vint dire à David : Voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. L'Éternel lui répondit, lève-toi. Descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il amena leur bétail, et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Amen. Mm-hmm. Lorsque Abiathar, fils d'Akimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville
qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiathar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il? Comment ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. Amen. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors, David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül informait que David s'était sauvé de Keïla. Suspendit sa marche. David demeura au désert, dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Amen. David dans les déserts de Ziph et de Maon. David voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu. Amen. Et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu régneras sur Israël. Et moi, je serai au second rang près de toi. Amen. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliances devant l'Éternel. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Ziphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David, n'est-il pas caché parmi nous dans des lieux forts, dans la forêt, sur la colline de Hakila, qui est au midi du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme, et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie, prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qui l'y a vu. Car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Fort rusé, examinez et reconnaissez tous ces lieux où il se cache.
puis revenez vers moi avec quelque chose de certain. Et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Mahon, dans la plaine au midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on en informa David qui descendit le rocher et resta dans le désert de Mahon. Saül l'ayant appris poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux. Lorsque messager vint dire à Saül, « Hâte-toi de venir, car les Philistins ont fait évasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David et il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. C'est pourquoi l'on appela ce lieu Sela Hama Klikosh. Amen. Yes. 1 Samuel chapitre 24. David dans la caverne d'Engedi, Saül épargné par David. De là, David monta vers les lieux forts d'Engedi, où il demeura lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins. On vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'Engedi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des pas de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui. » Car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül. « Oh, roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui. Et David s'inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici David cherche ton malheur. » Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne.
On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas sué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants viennent, la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai point la main sur toi. Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort, une puce. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause. Il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ses paroles, Saül dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ?» Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David, « Tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu m'as ni fait aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi. Puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et que tu ne m'as pas tué, si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait dans ce jour. Maintenant, voici, je sais que tu règneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi et que tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. David le jura à Saül, puis Saül s'en alla dans sa maison. Et David et ses gens montèrent au lieu fort. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 25. Mort de Samuel. Dureté de Nabal envers David et prudence de sa femme Abigaïl. Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé, le pleura et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres. Et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaïl. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, « Montez à Carmel,
et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie sois en paix et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs, à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David ? Et qui est le fils d'Isaïe ? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs. Et je les donnerai à des gens qui sont, je ne sais d'où. » Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors, David dit à ses gens, « Que chacun de vous saigne son épée. » Et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée. Et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé. Tout le temps que nous avons été avec eux, lorsque nous étions dans les champs, ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux, sache maintenant et voici ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigaïl prit aussi 200 pains, deux outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures en de grains aussi, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien, en vain, que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert. » Et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David
dans toute sa rigueur. Si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigaïl, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne t'étais hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce soit à Nabal. D'ici à la lumière du matin, et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Amen. Abigaïl arriva auprès de Nabal et voici, il faisait dans sa maison un festin, comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande.
jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qu'il a empêché son serviteur de faire le mal. Et l'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigaïl à Carmel et lui parlèrent ainsi. David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt, Abigaïl partit, montée sur un âne et accompagnée de 5 jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Jizréel et toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Kalim, fils de Laïk. Amen. Samuel chapitre 23. David délivrait la ville Keïla. Un jour, David vient connaître mon Philistio qui a attaqué la ville Keïla. Il a volé toute graine chade mounio et gain sous glacio. Laissant, David a demandé au Seigneur, est-ce que je vais mettre à l'attaquer mon Philistio? Seigneur dit David, vous mettez à l'attaquer, délivrer la ville qu'il a. Mais mon David yo, dit le consent, côté nous y est, boy, ici, là, dans le pays Chida, nous te perds qu'on connaît déjà. Ça parle plus raide pour nous si c'est qu'on a la ville qu'il a pour nous goûter à clamer mon Philistio. David tourne à parler à Seigneur encore. Il a répondu, lève-nous, descend la ville qu'il a. Parce que ma blague mon Philistio dans mes mains. C'est comme ça. David marche sur la ville qu'il a. Avec tout le monde qui était avec lui, il attaque mon Philistio. Et tout est en pile dans lui. Et puis, il prend tous les animaux. Et comme ça, David te délivre mon la ville qu'il a. L'ambiantin, petit garçon, qui met l'éc là, te sauvé à jouer David. Il descend la ville qu'il a avec bois contre bon Dieu. Amen. Je viens de Saïl. David te descend dans la ville que il a. Et puis Saïl dit, bon Dieu, la gueule n'a même qu'on y a. Regardez qui Jean David a fait mes cols dans la ville qui a un gros mirail, un gros portail bien solide. Comme ça, Saïl fait toute la mélia pour y aller gourmer, pour marcher sur la ville que il a.
yo Saint David ensemble à tout le monde qui était avec yo. Père David tendez ça il te fait l'idée vin attaquer il est Abiata pour être là. Il dit le comme ça on te grand bon Dieu a vini. Et puis David dit Seigneur ou même qui bon Dieu fait Israël là prétendez yo dit ça il paraît pour l'entrée la ville qu'il là pour craser net. Et c'est derrière nié. Est-ce que mon la ville que il a yo pour la game nan men? Est-ce que c'est tout bon ça il a descend Jean yo dit mien. Oh Seigneur. Pour Dieu peuple Israël là. T'en prie. Dis-moi si c'est vrai. Seigneur répond. Ça il a descend vrai. David dit lui est-ce que mon la ville que il a yo pour la game nan men ça il? Seigneur répond, il a fait le vrai. C'est pour ça David levé ensemble à tout le monde qui était avec lui. Il était 600 comme ça. Il a quitté la ville que il a là même, il est parti. Il pas marché sans qu'on ait côté au pralé. Mais ça il vient qu'on ait David a échappé sorti la ville que il a, il changer l'idée. Il pas marché sous que il a encore. David a caché dans désert. David était caché dans falaise qui dans désert Zif là. Ça il même chaque jour a cherché. Mais bon Dieu pas jamais lagué David dans mes Saïl. À tout ça David était paix toujours parce qu'il était connait Saïl était sorti pour le tuer. David était bon la ville Oreya dans désert Zif là. Jonathan, petit ça il là a joué ni là et a bal courage. Il a dit que Jean bon Dieu a toujours là avec lui. Il a dit comme ça David mon cher, on a besoin paix. Saïl, papa, a jamais qu'à jouer nous. C'est vous même qui gain pour faire Israël là. Moi même m'a venir après vous. À ta Saïl, papa, on ça tout. Des messieurs ont coupé un contrat pour toujours amis devant Seigneur. David était la ville Oreya, Jonathan allait à l'aile la caille. Saïl on la siyay David. Tout monde dans zone Zif là monté à joindre Saïl la ville Gibea. Il dit mais David caché dans pays noir. Dans falaise qui bon la ville Oreya sous mon akia qui nan bossid des ejida n'importe qui l'est ou fait l'idée descend la kaino pour mettre descend la mettre mes souli pour nous baouli ça répond yo c'est pour seigneur a tenir nous pour ça n'a fait pour moi là allez non allez ouais si c'est vrai. C'est pour nous chercher qu'on est bien côté li fait. Ki moun ki wèl la parce que yo di li malé en pile. Parce qu'on est tout côté té capable cacher. Et puis les na sete tout bon na tourner vinn joine moi, laisse ça ma descendre avec nous. Si la toujours nan pays ya, pa va le chercher. Même si doué fouiller dans tout raccoin pays jida. C'est pour ça mon zif yo levé, yo prend devant wa, yo parti au pays yo. David même ensemble avec mon li yo et dans désert marron dans fond dans portion si désert. Saïl a bon pal yo meté chercher David. Mais David vin comme ça il descend dans passe galette là qui dans deuxième marron et puis il était là laisse ça il vient comme ça il descend derrière David dans deuxième marron ça il a messie lio a chercher sur un bon ravine l'en soufflant mon là David même messie palio t'a marché sur l'autre bois soufflant mon en face là il t'a couru pour te mettre belle distance entre lui et Saïl qui t'approchait d'elle.
Saïl est prêt pour mettre mes souris. Laisse ça. Le messager vient joindre Saïl. Il dit comme ça. Tournez tous, oui. Parce que même les Philistins ont envahi le pays. Saïl a couru derrière David. La machine contre les Philistins. C'est peut-être ça. Il y aurait les ravines. Ça, gamme de séparation. David même allait dans la falaise. En guédio, il était caché là. Amen. Daniel chapitre 24. David refusait pour Saïl. Les Saïl tourne sorti pour la guerre avec les Philistins. Je viens de dire David qui n'a désert en guédio. Saïl prend 3000 soldats dans la paix. Israël là, ça qui était fort en pile dans fait la guerre. Et puis il parti à chercher David avec Messie Lio, au soleil levé, roche cabrit marron Lio. L'irrivé devant yon grotte qui était tout près, yon pat, mouton bois route là, il entre dans grotte là, al fait besoin. David même te caché dans grotte là ensemble avec Messie Lio. Messie Lio dit David comme ça, méchant sou. Mais occasion c'est à te dire la baoua. C'est à te dire la blague elle ni ou là nan men ou pour faire ça ouvler avec David levé il marchait tout doucement il coupait yon morceau nan rad Saïl sans Saïl par contre ça mais après ça conscience David reprochait pour que rad Saïl il était coupé ya il dit mon niyo on dit bon Dieu pardon. On va faire bagaille comme ça sous mettre moi. Mon bon Dieu choisi pour moi. On pas jamais lever même moi saoulé. Parce que c'est à même qui t'ai choisi pour moi. David parlait avec Messie Lio pour y retenir l'idée concernant tête yo. Il pas quitter yo fait Saïl rien. Saïl levé, il sorti dans route là. Il marchait à faire route. Laisse ça. David sorti derrière, il relève. Bon wa! Bon wa! Saïl fit regarder derrière lui. David tombé à genoux. Il laissait tête lui jusqu'à terre. Et puis il dit: pour qui ça va coûter moun kap di ou m'a chercher faire mal et sou. Gardez, jodia ou wè ak che ou, ki j'essaye a te lake ou nan même an dan wot la. Il y a monde qui dit c'est pour te touyer ou mais ça me fait mal pour moi dit on pas jamais lever même sous mettre parce que c'est à même qui t'ai choisi ou pour moi garder papa moi mais mon socket robou non même moi couper mon socket robou mais on pas touyer ou connait a ou connait. Ouais, on pa gen rien derrière tête moi. On pa gen aucune idée méchanceté en tête moi. On pa fè ou rien qui mal. C'est ou même qu'a cherché touye. C'est pour Seigneur juger entre nous deux qui laisse qui entend. C'est pour Seigneur pini ou pour ça ou fèm là. Parce que moi même, pa jam leve même sou. Je proverbe grand mon longtemps yo dit c'est mon méchant qui fait méchanceté mais moi a lever même sou dire qui mon wa peuple Israël là même comme ça dire qui mon la courir comme ça dire yo chien mouri dire yo tipis Seigneur va servir nous chiche la juge entre nous déjà qui laisse qui entend. C'est pour mettre bouche dans affaire là pour prendre défense moi pour délivrer en bas mais où les David fin parler ça il dit tu pas voir David petit garçon là ça et puis il prend crier il dit David comme ça ou gain raison c'est moi qui entends tu agis bien avec. C'est moi-même qui t'ai agi mal avec vous. Je dis encore,
ou fait moins, c'est bien ou voulez faire pour moi. Parce que à tout ces la guerre non mais où patouiller. Là où mon joue une occasion pour mettre mes sous l'ennemi. Est-ce que la quitter là faire autre lui sans lui pas faire là. Pour Dieu va bénir pour ça ou fait au moins jodi. Connia. Moi connais ou que pour avouer. Avec même moi père Israël. Gouvernement a campé ferme. Mais tant pis. Pour maintenant, dans nos seigneurs, pour ne pas trouver petit moyo de ma mourir, pour l'homme ne pas disparaître dans la famille papa. David, pour mettre Saïl, il n'a pas fait ça. Après ça, Saïl a la caille. David même tourné dans la cachette ensemble avec M. Palio. Amen. Amen. La mort, Samuel. Et Samuel, chapitre 25. Samuel mourit. Tout peuple Israël là, semblé pour y crier, la mort lui. Le fini, il a enterré dans la Kaili, la ville Rama. David, à Abigail. Après ça, David partit. Il descend dans le désert par an. Il y a un homme dans la ville Maon qui a une invitation, la ville Kamel. Un homme qui est riche en pile. Il y a 3000 têtes de moutons et 1000 têtes de cabrit. Les saints. Mais si il quitte la ville Kamel pour faire tailler les moutons, il décide de les Nabal. Madame Literele Abigail. C'était une femme qui était en pile l'esprit. Elle finit était belle. Et Maria était un mauvais chant. Et pas qu'on voulait bien à moun. Même. C'était femme et moun, Caleb. En tant que David dans le désert, il vient de Naval, papa, par Hélène, mouton, lui. Il voulait 10 jeunes garçons bon côté. Il dit au consacre, montez la ville Kamel, allez la Kainabal. Nadil, moi voyez bonjour pour lui. Mais ça Nadil, David, fouez-vous, voyez bonjour pour vous, à tout le monde la caille. Il souhaite tout bagay à marcher bien la caille. Il tendait ou à tailler les moutons ou yo, il voyez dire ou, les gars de mouton ou yo te avec nous, nous pas jamais fait yo en yé. Nous pas jamais perdu en yé. Pendant tout temps, yo te dans zone Kamel là. Ou met mande yo, y a dit ou. David voye mande ou, pour recevoir mes pal yo bien. Parce que se yo jou fait, nous rive ici là. Tant pis. Mais, ba y sa ou genye pour nous ka servi ou. A pour David. Zami ou la. Messie David yo rive vre, yo bay Nabal komisyon an nan no David. Et puis yo rete tan. Après yo titan, Nabal repon yo, David, petit garçon Isaïa, ne pa konnen non? Ato, pour ne pas appeler une bande domestique qui sauve quitter la caille, pour pomper à l'eau la caille, à viande bête, nous faire touiller au garde mouton mieux, pour me bailler une bande monde, pour ne pas qu'on est côté au sorti. Et c'est retourné à jeune David. Là, il arrivé, il a rapporté Bali tout ça, Nabal te dit. David dit, yo, prenez pénon. Passez au nan reno. Yo tout passe l'épée yo nan reno. David tout. Le fini. 400 nan messieurs yo allez avec David. Le 200 yo rete derrière à provision yo. Yon nan domestique Nabal yo. A la verti Abigail, madame Nabal, li dit
David te voye kèk mesaje soti nan dese ya avec bel bonjou pou mèt nou an. Mais li mim, li pale mal ak yo. Mais monsieur sa yo te bon pou nou. Yo pa jèm chache nou kont. Nou pa jèm perdi anyen pendant tout temps nou te ansanm ak yo nan savan nan. Yo te protège nou la journée kou lan nuit. Pendant tout temps nous t'es là nan mitan yo a pran soin bon mouton nou yo premier là calculer bien ça ou est ou café parce que ta gala ka vire mal ni pour mettre nous ni pour toute famille mari ou si tellement gen mauvais chant bon pa ka parler ak li Abigail pressé pran descend pè des gros vaisseaux en peau bête plein d'hiver. Sept moutons tout cuit. Des barils grillés. Sans manet raisé sèche. Des sans gâteaux faits avec France sèche. Des sages, tout ça, sous bruit. C'est fini. Les dix domestiques li yo, nous mettons point devant. Moi-même, point derrière. Mais, li pa di Nabal, Maril, rien. Abigail te monté sous nous. Bourik, il t'a descend yon timon, lè li rive nan yon koub, li tombe bab pou bab, ak David, ki t'a marché sou li, ensemble ak mesye yo. Yo kontre. David t'a di nan ke li, sa m de bezwen protéje tout sa, nom sa, te gen nan dese a fe. Li pa jèm perdi anyen nan sa ki te pou li. Et puis se konsan la paye pou tout bien, mwen se pou li yo. Se pou bon Dje bam, et gros punition qui gagne si un rendez-vous matin ne pas trouver dernier monde la caille grand monde petit monde ou Abigail ou David qui courir descendre pour Clia et là qui colle à genoux devant David et de cette tête li choukate après ça il a qui colle dans pied David il dit comme ça tant prie chef mère permission parler avec vous. Pour faute là, c'est pour moi. Pour que ça m'a dit vous. Tant pis. Pas occupé de nous, y'aurait les Nabal là. C'est un vaurien. C'est pas pour que si y'aurait les Nabal qui voulait dire mon fou. Moi-même, mettre. Moi pas de monsieur ou te voyez yo. C'est Seigneur même qui empêche ou mettez sans de yo. Pour prendre le fanjou, pour n'y a. Moi, fais seulement devant Seigneur, et devant ou même, mais moi. C'est pour tout le monde, tout le monde qui t'avait ouais, qui t'avait fait ou mal, fini tant qu'on a mal. Pour n'y a. Mais moi, mais ça, moi, pour te faire ou cadeau, pour bailler le monde qui a marché avec ou yo. En prie, mais, pardonnez, ça me fait qui mal. Seye ava ba ou, yon fami ki pa chanm disparèt. Paske batay, wap mene yo, se batay seye ya yo ye. Ou pa jem fe anye ki mal nan tout la vi ou. Te yon moun kompran. Pou li atake ou, se la chache touye ou, seye ya, bonje ou la, va proteje ou. La sere ou bo kotel, tan kou le yon moun a sere yon bagay, li reme an pil. Mais la pren lèl mi ou yo, la voye yo jete bien loin tant kou lè yo moun a voye wosh dans festival. Bon sa, le seye ya, va fè pou ou tout bel bagalite pou met ou yo. Lè la mette ou chef sou pep Israël la, oui, lè sa, met mwen. Ou pa bezwen nan regret, ni... conscience ou pas de pas bouleversé deske ou te mette sans moun de yo sans raison ou sinon deske ou te pren revanche ou sou moun laisse e ava beni ou non pri pabliye David di Abigail kon sa louange pou Seigneur bon Dieu pèp Israël la ki voye ou jodi a vin kontre avèm. Et te m di bon Dieu merci pour bon comprendre nous gagnant pour ou même tout dès que jodi a pour vinn kembe même pour pas mettre sans monde dehors
pour pas tirer revanche moi-même. C'est à qui me fait ou rien. Puis tout si vous pas pressé vin contre avec moi, moi fait seulement devant Seigneur. Bon Dieu peuple Israël là, en vendemain matin. Tout garçon famille dans balio, à ta petit garçon pipitio, a perdu la vie. Abigail remet David tout ça, il était porté et puis David dit tourne la caillou à quelque aussi. Écoutez tout ça ou dit là. Ou pas besoin battre quoi. Abigail tourne arrive Nabal la caillou. Nabal t'a fait une grosse réception pareil à réception royal qu'on fait. On a de l'argent. Nabal était sous en pile, elle était content. Madame n'a pas dit rien, joue dans demain matin. Dans matin, Nabal fin de saoulé. Madame n'a raconté tout bagaille. Il s'est fait une crise paralysé dans tout col. Il joue après ça, c'est à frapper Nabal, Nabal mourit. Le David fin connaît Nabal mourit, il dit louange pour Seigneur. Il fait nan bal paye ou on ti fèm non. Il kembe même poum pa fè sa ki mal. Se a fè méchanceté nan bal la tombe sou pòp tèt li. Après ça, David envoyé di Abigail, li ta remèl pou madame. Moun David yo al jwenn Abigail la vil Kamel. Yo pale avèl, yo di l kon sa, David voye nou bò kote ou pour nous mener au bali pour se marier avec vous. Abigail levé. Il a gécolé la genou de cette tête li à terre et puis il dit c'est domestique li mouye. Mais tout parle pour me laver pied moun palio. Abigail levé bien vite. Il monte bourrik li, il prend 5 jeunes filles. Il t'a servi avec la Kaili, il parti avec messager David. C'est comme ça, les vins madame David. David est déjà marié à Akinoam, la ville Jisréel. Les vins prennent Abigail pour n'y a pas de fel et madame. Ça il même, Bopal, c'est pas Mikal, petite filia qui était madame David. Les mariés à Palti. Petit garçon, Laïs, Montaville, Talim, Amen. Amen, amen, amen. Chers amis, frères et sœurs, nous pouvons passer à la prière avec notre sœur Marie René. Mais avant de nous faire ça, nous pouvons chanter, viens mon âme. Viens mon âme, je réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Amen. Rendu des cieux, papa, nous qui dans le ciel. Comment ça, Seigneur, nous venons à genoux dans le plus haut. Nous venons chercher présence, nous venons nous merci pour ça que vous faites pour nous. Merci Seigneur parce qu'on fait nous passer une journée en bien. Merci nous qui sortis, nous entrer Seigneur, pas quitter nous pour compte nous. Nous te remercions pour ça, papa. Donc, le moment ça, mais nous venons devant. Nous venons chercher secours, nous venons chercher présence au Seigneur, nous besoin de la vie, nous, Seigneur Dieu. Papa, sans nous-mêmes, nous pas qu'à faire rien. Sans nous-mêmes, Seigneur, nous pas qu'à bouger. Mais papa, par grâce, amour ou bien pour nous, Seigneur. Nous venons de ton Seigneur, nous venons. Nous venons à tout problème, nous venons à tout fardeau, nous, Seigneur. Nous venons porter au pied de la croix, Seigneur Jésus, papa. Papa, mais nous, chaque qui devons souligner, Seigneur. Vous connaissez pas, non, non, Seigneur Dieu. Nous demandons, Seigneur Dieu, force, courage. Parce que c'est nous-mêmes qui gagnons force, Seigneur Dieu. Là que nous fatiguons, là que nous bouquons avec problème, nous, Seigneur. Nous venons là qui nous en pied, ou, et nous-mêmes, au près,
pour soulager nous, Seigneur. Papa, nous lever toute famille, nous devons. Mais nous, quatre familles, ça, devons, Seigneur. Papa, on connaît nous. Pourquoi nous besoin, nous, qu'on côté nous faiblir, Seigneur. Papa, tant prie, fais-nous grâce. Bénis-nous chaque qui souligne, Seigneur. Moi, je vais spécialement, petit fille, nous devons, Seigneur, fatigable. Et tes forces ou nos faiblesses, Seigneur. Rétez bon côté, le Seigneur Dieu, lui-même, qui dit micro à celle qui est le Seigneur qu'on est. Je m'a toute forme, une Marie, petite, le Seigneur. Nous levons dans le cabaret, bénis-nous, Seigneur Dieu, papa. Alors qu'ils nous levons, les 26 ans devant, Seigneur, qu'appelé, pas belle parole, ça, au Seigneur. Montre-nous comme il est grand, comment qu'on a pouvoir, comment qu'on a puissance dans nous-mêmes, Seigneur. Nous demandons, papa, à bénéficier de vous. Chaque jour, on va qualifier lui. Chaque jour, Seigneur, on va passer à petite, lui, à Marie, le Seigneur. Je vais agir pour lui, selon que vous l'entendez, papa. Moi, le VLC devant, Seigneur, on connaît famille, ni Marie, petite, le Seigneur Dieu. Moi, là, on a cabaret, bénon, Seigneur, qu'appelé pour, Seigneur. Belle parole, ça, oui, Jésus. Là, nous tendons, il fait que nous contents, parce que nous connaissons nos bonbons, Dieu, qui gagne tout pouvoir. Nous connaissons nos bonbons, Dieu. Là, que nous avons un problème, là, que nous avons une difficulté, capable d'agir pour nous, Seigneur. Papa, moi, le jeu de famille, ça, devant Jésus, va faire route avec le Seigneur. Et pendant que vous passez avec moi, levez moi-même à toute famille, nous devons, Seigneur. Pour qu'on ait besoin, nous, de consacrer notre chasse. Plus gros bagage, notre chasse dans mon Seigneur. La chasse pour nous guérir, le Saint-Esprit, pour diriger nous, parce qu'il n'a plus de vie éternelle, mon Seigneur. Le Covid, papa, pour nous capables de faire face au Seigneur. Papa, je dans ciel là. Moi, levez tout le monde, sans minouillot, qui va entendre les fausses prières, Seigneur. Dans belle parole, ça y est, Seigneur. Il a réfléchi sur yo. Là, autant de belles paroles, ça y est. Il a pratiqué dans la vie, yo, Seigneur. Et ça, pour qu'on fait la paix avec vous. Ça, par contre, qui bon Dieu couille, Seigneur. Avec parole, ça y est. Vous capable de venir. Vous capable de chercher qu'on est. Qui monde qui bon Dieu, ça, Seigneur. Parce que, Seigneur Dieu, aux amis, nous, yo. Pas mettre par autre chose en pratique, Seigneur. Et eux-mêmes, quand ils cherchent un bagage, non, mais, eux-mêmes, Seigneur, ça qui est malade, ça qui est un problème, Seigneur, de certaines difficultés, Seigneur, il y a qu'on est au bon côté pour y aller, et il y a capable de jouer une victoire, il y a capable de jouer une force, dans eux-mêmes, Seigneur. Et papa, force pour y aller. Nous connaissons que n'a pas parlé, nous connaissons que n'a plus été, n'a plus les paroles, n'a cherché pour nous mettre en pratique, Seigneur, pour nous pratiquer dans la vie, non, Seigneur, et non seulement nous-mêmes, Seigneur, petite nous, monde qui va écouter nous, monde qui allant tout, non, Seigneur, parole, ça, vous capable, font travail dans nous-mêmes, capable, nettoyer, non, Seigneur, et monde qui vivre autour de nous-mêmes, Seigneur, Dieu, capable, ouais, présence dans la vie, non, Seigneur. Papa, fais-nous grâce, Seigneur. Tant d'écris-nous, Seigneur Dieu. Sauvez-nous. Pardonnez péché-nous, Seigneur. Pas des monde qui juste devant, Seigneur Dieu. Mais si nous pouvons pécher dans le pied de la croix, ou t'es venu mourir pour ça, Seigneur, n'a capable de pardonner, bon, Seigneur. Avec chacun de nous, ou t'écris-nous, nous prions non parce que nous avons mérite, mais c'est au nom de Jésus qui vit, qui règne. Au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde, que l'Éternel fasse sa face sur nous, qu'il nous donne sa paix, son amour, la vie éternelle, une double portion de son Saint-Esprit et l'amour du prochain en Jésus-Christ crucifié. Amen. Béni soit l'Éternel, 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 béni soit l'Éternel. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Victoire au nom de Jésus, 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 victoire au nom de Jésus. Victoire et délivrance pour nous chaque qui souligne. Victoire et délivrance pour pays nous en Haïti. Victoire et délivrance pour force prière qui pour tendre à travers la terre entière. Victoire et délivrance pour nous-mêmes qui soulignons dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Amen.
Zanmi myo, fwè ak sèm yo, pèp k ap prepare pou siel la, compatriotes haïtien nou yo. Merci infiniment parce que nous te prend temps pour prier et lire la Bible nous avec Chanel YouTube force prier. Pas oublier. Prier by puissance, prier by victoire, prier by pouvoir, prier by force, prier approcher nous plus près du créateur et prier c'est une clé qui ouvre toute porte et avec force prière n'a pas accompli tout ça. Zanmi myo, fwè ayisyen compatriote nou yo. Nous pralé. Mais n'a quitté nous sous attention, affection, direction et protection. Papa nous qui dans ciel là, le tout-puissant qui pas jamais oublié nous. Sous ça, zanmi myo, frèm sèm yo, n'a di nou au revoir. Bonjour, bonsoir, goodbye, bye bye, bye.